Je vous invite à écouter le texte qui fera l'objet de la prédication de ce dimanche, texte de circonstance en cette période de l'Avent, dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, les versets 39 à 45, c'est l'épisode dit de la visitation, quand Marie vient rencontrer Élisabeth. Luc 1, chapitre 1, versets 39 à 45. En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Seigneur, ta parole est vérité. Enseigne-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique de Marie, numéro 88. Nous chantons les 6 strophes du cantique 88, cantique de Marie.
Nous prions. Seigneur notre Dieu, ta parole de grâce nous a accueillis avec ce que nous sommes les uns et les autres, si différents, mais unis dans ce même désir d'entendre ce que tu veux nous dire ce matin. Aussi, fais taire en nous maintenant toute autre voix que la tienne et veuille attester à nos esprits, par ton esprit, qu'ici et maintenant, la parole lue et proclamée est ta parole pour nos vies. C'est là ce que nous te demandons humblement, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et à l'heure de notre mort. C'est sans aucun doute la première fois qu'au cours d'un culte à l'oratoire et en début de prédication, vous entendez « Je te salue Marie ». Le professeur Cuvillier aurait-il changé de théologie ? Je suspends la réponse pour l'instant. Et j'analyse les faits aussi objectivement que possible en posant une question très protestante en somme. Mais où nos frères catholiques sont-ils allés chercher tout ça ? Sola scriptura, que diable, si j'ose dire. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Luc chapitre 1, verset 28, le texte juste avant. L'ange Gabriel entra chez Marie et lui dit « Je te salue à toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi ». Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Luc chapitre 1, verset 42. Élisabeth s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Luc chapitre 1, verset 43. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur, Adonai, vienne chez moi. Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ouf ! Pensons-nous enfin. Là au moins, ils ne trouveront rien dans la Bible. Je me permets ici de rappeler deux points importants. Premièrement, en théologie catholique, et quoi qu'il en soit de la piété populaire, on ne prie pas Marie. On lui demande d'intercéder en faveur des croyants auprès du Père, auprès du Christ, pardon. Prie pour nous. Et deuxièmement, où a-t-on vu qu'il n'était pas biblique d'intercéder pour un frère ou une sœur dans l'Église ? Où a-t-on vu que la foi des autres ne pouvait nous être d'un quelconque secours ? Quant au fait que Marie est décédée depuis longtemps, qu'il suffise de rappeler que la communion des saints
que nous confessons dans le symbole des apôtres concerne les croyants de tous les temps. Et puis, s'il fallait un verset biblique, puisqu'il nous en faut tant des versets bibliques, un parmi d'autres, pourquoi pas Apocalypse chapitre 8, verset 4 « Et je vis dans le ciel la fumée des parfums montant avec la prière de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône de Dieu. » Tout ceci, frères et sœurs, pour nous inviter à plus de modestie. Les catholiques lisent aussi bien la Bible que nous. Simplement, ils l'interprètent avec une clé de lecture différente de la nôtre. La tradition avec un grand T, c'est-à-dire le magistère qui prolonge, déploie, déplie le texte biblique et en propose une interprétation qui ne correspond pas à ce que nous en comprenons. Mais ne nous en déplaise, la totalité du « Je te salue Marie », la totalité, a un fondement biblique. Alors, suis-je devenu catholique pour autant? Non, bien sûr. Cette lecture légitime en théologie catholique n'est pas la mienne. « Je te salue Marie » n'appartient donc pas à ma spiritualité, même si j'ai arrêté d'en sourire avec ce sentiment de supériorité bien protestant, mais ô combien insupportable. Simplement, la tradition dans laquelle il m'a été donné de vivre ma foi m'a conduit à élaborer et à assumer une autre fidélité aux Écritures, que je crois pertinente, peut-être même, j'ose le dire, plus fidèle à la lettre du texte qu'une autre, ce qui ne veut pas dire la seule vraie. Plus complexe, plus fragile aussi, rappelons ce que Bossuet disait de nous dans ses satires. Tout protestant est pape, la Bible à la main. C'est-à-dire que son petit moi court le risque de devenir le critère d'interprétation des Écritures. Il devient alors, si vous me permettez ce jeu de mots facile, soupape, mais sans sécurité. Sans sécurité, sans garde-fou autre que la confrontation avec ses frères et sœurs, mais confrontation qu'il évite souvent, de peur d'être remis en question dans ses convictions personnelles. Oui, la posture protestante est plus fragile, parce que non assurée d'une vérité absolue, est toujours exposé au risque de la dérive individualiste. Raison de plus pour soumettre nos lectures à la critique communautaire et aux Écritures. Je vous propose donc ce matin mon écoute de ce texte de la Visitation, avec ma subjectivité, à partir de la tradition théologique dans laquelle je m'inscris avec vous, et en essayant, je l'espère, de laisser au texte le dernier mot. Étrange histoire que ce récit de la rencontre de deux femmes enceintes. L'une très jeune, on peut imaginer qu'elle a une quinzaine d'années à peine. L'autre presque trop âgée pour mettre au monde un enfant. Et la plus âgée qui célèbre la plus jeune, alors que ce devrait être l'inverse, selon les règles de l'époque. Et puis, comment ne pas penser, on l'oublie trop souvent à Noël, comment ne pas penser à ce qui entend ces deux enfants à naître et que le lecteur connaît dès le début de l'histoire. L'un mourra décapité, l'autre crucifié. Ce récit nous parle ainsi au-delà du merveilleux qu'il ne contient qu'en raison du fait qu'on le lit en période de Noël. Ce récit nous parle de ce qui fait l'existence humaine, la joie de naissance à venir qui bouleverse les cadres habituels, mais ne savent rien encore de l'épreuve, voire du tragique que croiseront ces existences en devenir. Et il nous dit même, on va le voir, que la vie véritable, authentique, ouverte, ne peut se vivre qu'au cœur de l'épreuve. L'épreuve de l'existence dont la première expérience pour le petit homme est bien la naissance. Ce court récit évangélique parle de choses fondamentales
pour nos existences. Et c'est là que réside la vérité de ce qu'il déploie. Ce récit, en somme, me parle de mon existence dans le monde, de mon rapport à moi-même, à Dieu et aux autres. C'est en cela qu'il est vrai. Lorsqu'il met en scène ses personnages, c'est en somme de ma vie qu'il parle. C'est ce rapport au texte dans ce qu'il véhicule, non pas en surface, mais en profondeur qu'il nous faut entendre. Et en particulier dans le seul point sur lequel je m'arrêterai ce matin, le motif du tressaillement de Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère. Ce détail est rapporté deux fois, une fois par le narrateur, l'autre fois par Élisabeth elle-même. C'est donc qu'on cherche à nous dire quelque chose à travers ce tressaillement. Le verbe grec, qui est un apax dans le Nouveau Testament, il n'apparaît qu'une seule fois, exprime en quelque sorte, vous savez, les sauts du jeune animal à peine sorti du ventre de sa mère. Vous savez, le poulain qui vient de naître et qui, quelques secondes à peine après, gambade dans le pré. Et la traduction latine a donné « exultare », sauter de joie. Je note ici, et ce point a une certaine importance, qu'il ne s'agit pas de contraction, auquel cas c'est Élisabeth qui serait l'actrice principale de cette affaire. Il s'agit bien, non, de ce mouvement que le bébé fait dans le ventre de sa mère quand on dit « tiens, il a bougé ». C'est donc bien lui qui en est l'auteur et l'acteur. Et les effets de la salutation de Marie, c'est donc de la joie chez cet enfant à naître. La joie de l'existence, la joie du vivant. L'enfant encore à naître a reconnu ce qui s'annonce en Marie comme source de vie. La vie saluant la vie, en quelque sorte. Traduit en langage théologique, on pourrait dire que ce dont Jean-Baptiste se réjouit et qu'il salue, c'est l'incarnation du principe vital qui va se réaliser en la personne du Christ. La parole bientôt faite chair, pour le dire en langage johannique. On peut aussi dire, de façon peut-être plus anthropologique, qu'il salue un commencement. À travers cette naissance, événement banal en somme, s'il en est dans ce monde, quelque chose de nouveau commence à nouveau. Un peu comme quand on tombe amoureux. L'impression que cela arrive depuis la nuit des temps et qu'en même temps, quand cela nous arrive, c'est totalement nouveau, qu'une vie nouvelle est possible. L'incarnation de ce qui fait que chaque humain et le monde des humains est un commencement toujours neuf, à chaque naissance, sans cesse renouvelé. Nous ne cessons d'être un commencement. Il y a en nous un creux, un négatif, qui est la condition des possibles. Quand ce creux est plein, ça sature et il n'y a plus de vie possible. C'est d'ailleurs le risque inhérent à la rencontre amoureuse dont je parlais à l'instant. Le commencement est souvent vite saturé par l'illusion de la complétude que constitue imaginairement l'autre, et alors ça ferme au lieu d'ouvrir. Le Dieu biblique, c'est au contraire le principe qui fait que ça ne s'arrête jamais de commencer à naître. Parce que ce Dieu se révèle dans le retrait, le manque, l'absence, l'avenir ouvert, l'attente. Alors qu'Élisabeth est pleine, qu'elle pourrait se replier sur elle-même et son enfant à naître avec elle. Voici qu'elle salue que celui-ci appartient à un nouveau commencement. Voici qu'elle salue avec lui qu'il salue l'ouverture à venir. Élisabeth accepte cette ouverture. Jean-Baptiste pense ce que ne pense pas encore Élisabeth, mais qu'elle va pouvoir penser grâce à lui. Elle va nommer ce qu'il vit, l'interpréter par ses paroles en somme. Ce faisant,
et c'est essentiel. Élisabeth donne en quelque sorte son enfant au monde. Elle le met au monde en saluant son salut. C'est sans doute la chose la plus difficile que de mettre au monde son enfant, c'est-à-dire le donner. C'est ce que fait Élisabeth à travers cette interprétation du tressaillement de son enfant. Eh bien, ce qui est salué, c'est qu'il ne faut cesser de naître. Et pourtant, ces deux enfants à naître, je le répète, vont mourir dans des circonstances tragiques. L'un décapité, l'autre crucifié. C'est l'extrême faiblesse, la dérédiction et la mort qui se profilent à l'horizon. Alors comment illustrer ce paradoxe de vie qui sont signes d'espérance et qui pourtant vont être confrontés à l'absurde et au non-sens, c'est-à-dire à l'exécution sommaire de Jean-Baptiste et à la mort ignominieuse du Christ. Eh bien, le message, me semble-t-il, est celui-ci. Dans la mort tragique du Baptiste et de Jésus, c'est malgré tout la vie qui l'emporte. Voilà ce qu'annonce l'Évangile à travers le salut d'Élisabeth au tressaillement de son enfant. Et voilà ce que, juste après, saluera Marie à travers le Magnificat. Dans le ventre plein de cette vieille femme stérile qui pourrait se satisfaire de ce qu'elle possède désormais pour elle. Et l'on sait ce que cela signifie de mortifère pour un enfant à naître que d'être ainsi la pleine satisfaction d'une mère ou d'un père. Dans le ventre plein d'Élisabeth se dessine un creux, un manque, une joie à venir qui passera par l'épreuve d'un désir sur lequel Jean-Baptiste ne cédera jamais au point qui le conduira à la mort. Le désir de saluer la vie, le commencement d'une vie nouvelle qui se dit dans l'épreuve et dans la résistance à la mort, à l'absurde et au non-sens de l'existence. Cela, Jean-Baptiste le salue comme il le fera tout au long de son existence. Je le répète, sans jamais céder au désir qui le porte. Et Élisabeth y acquiesce au lieu de l'en détourner comme nous aurions envie de le faire, le détourner de son désir. Non, Élisabeth acquiesce. Voilà la bonne nouvelle. Saluer, exulter à la vie et au commencement, non pas contre, en évitant ou malgré l'épreuve, mais dans et au cœur de celle-ci. Voyez-vous, quand je suis prisonnier du désir de l'autre, je peux être mort en croyant vivre. Et je ne fais que survivre. À l'inverse, si je ne cède pas sur la parole qui m'appelle et me relève, je suis vivant, même confronté à l'épreuve, fût-elle celle de la mort. De cela, Jean-Baptiste sera le témoin, et Élisabeth ne s'y oppose pas. C'est cela, frères et sœurs, Noël, rien que cela. Tout le contraire, et il faut le dire aujourd'hui plus que jamais, tout le contraire d'une jouissance du plein, d'une consommation d'objets inutiles, sur fond d'une requête infantile d'avoir toujours plus. Une jouissance stérile qui tue en nous toute forme de désir. Ils m'ont donné cela. Pourquoi ne me donneraient-ils pas aussi cela et encore cela ? Noël, c'est le contraire, c'est au contraire l'attente d'un avenir ouvert sur l'inattendu et l'inouï. Un inattendu et un inouï dont la nécessité se font plus que jamais sentir dans notre monde clôturé sur lui-même, souffrant d'un étouffement du désir qui ne peut plus s'exprimer autrement qu'en besoin d'objets multiples, changeants, saturants et répétés à l'infini. iPhone 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
14, 20. Et le nom aura changé sans doute d'ici là. Mais pas la logique qui tue en nous le désir. Le salut d'Élisabeth au tressaillement de Jean-Baptiste à la visite de Marie, c'est en somme le message qu'il nous faut entendre et relayer aujourd'hui. Ne cessons pas de naître envers et contre tout ce qui est désespérant. Et Dieu sait si notre monde et peut-être notre société est désespérante ces dernières semaines. Le salut d'Élisabeth au tressaillement de Jean-Baptiste, c'est l'affirmation que l'épreuve à venir pour ces deux enfants à naître n'est pas le signe que le désespoir et la mort vaincront, mais au contraire que la vie ne peut faire l'économie de la confrontation à ce qui veut la détruire et la tuer. Nous ne pouvons l'éviter, mais nous pouvons l'affronter, pensant, croyant, espérant, vivant et saluant que la vie l'emporte. Je le répète, de cela Jean-Baptiste le témoin et Élisabeth le salue avec lui. Et nous sommes invités à l'entendre comme le message de Noël. Alors j'ai commencé par « Je te salue Marie » et je termine par « Je vous salue Élisabeth et Jean-Baptiste. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis parmi tous les croyants. Et Jésus, le fruit de votre attente, est bénédiction. Vous êtes les témoins qu'il ne faut cesser de naître envers et contre tout, dès maintenant, jusqu'à l'heure de notre mort. Amen.